culture. Elle est devenue frileuse, habituée à vivre dans l'extrême violence d'Ulysse, bercée par la voix suave des commentateurs qui ont tous pris le ton, le pli et la distance prudente d'une absence totale d'engagement, bien à l'abri derrière l'anonymat de leur écran et de leurs pensées. Les cultureux collaborent à la fabrique de produits culturels désamorcés à cause de leur lâcheté. La culture n'est plus du tout l'outil de tous les dangers. Elle se contente de faire la moue devant les principes de beauté qu'elle n'assume plus, car ces principes l'obligeraient à être imprudente, à exposer un avis fragile, par définition, avec le risque d'un peu réveiller la population. Moi, je veux pouvoir arbitrer et célébrer les beautés disponibles afin de demeurer responsable en tant qu'architecte et en tant qu'homme et envoyer au diable les cannibales de la pensée qui sont partout à nos portes. Alors, qu'est-ce qui nous en empêche ? Forcé de constater que nous sommes colonisés par toutes sortes de tares incompatibles avec la présence de beauté singulière. Forcé de constater que je suis moi-même un gros con, pris au piège des virus sémantiques, ces automatismes de la pensée, empêchant les idées de franchir le pont aux ânes. Moi, je trouve que leur manie de définir la beauté est d'une arrogance incroyable. Encore cette vieille lune du politiquement correct. Tant qu'elle nous tient les yeux bandés, moi je cognerai dessus. Avec ces airs patelins qui manquent trop de nocivité grandissante, on pourrait imaginer que c'est un petit rhume alors que c'est un cancer. Et une fois attrapé, toute résistance est inutile. Les interdits du jour encadrent nos réactions, muselle directement tout ce qui pourrait donner envie de se renouveler, de vivre les conséquences d'une pensée unique. Mais je me laisse pas faire, je me soigne à l'outrance, obligeant les énoncés à respirer plus librement. On a toujours plus de patience avec la provocation qu'avec la sagesse. Pourquoi encore parler de la beauté? Mais parce que c'est pas du tout à l'ordre du jour de parler de beauté. L'époque est plutôt aux ordres de la terreur et de ses promesses. Ce sont des anathèmes qui tiennent en haleine les affaires du monde et qui coupent la chic au débat. Mais les faits sont là, alimentant quotidiennement toutes nos craintes et nous préparant insidieusement à courber l'échine, à faire nos réflexions en nous habituant à des exercices de génuflexion. J'ai l'exaltation d'une âme romantique et l'amour de l'exploration. Les deux vont généralement de pair. Je m'en accommode. J'ai pris goût à rechercher avec persévérance la beauté qui émancipe, à prendre le risque de me fourvoyer, d'être piégé par un accès de confiance ou par inattention. C'est une démarche individuelle. Elle récuse la désillusion esthétique totale en cours des milieux culturels. Ce mouvement mélancolique de la pensée reléguant l'imaginaire ou dans le fourgon à bagages avec les blessés ou le courrier postal. J'adore utiliser cette expression belliqueuse. Elle me met en joie quand c'est pas directement au cimetière que l'affaire se termine. Faut dire que le discours de la modernité sur les avant-gardes, que j'entends depuis des années et des années, a mythifié pas mal de monde avec ses promesses de rupture et de l'an demi soi-disant affranchi de l'histoire. Ceci dit, tourne-t-on le dos à l'exception d'une cambrure de rein en train de regarder le coucher de soleil? Ben non, puisque demain est un autre jour. Alors, acceptez de le dérangement cognitif résultant de la confrontation avec le monde et faire remarquer que le navire est en train de couler parce que tout le monde s'est pas forcément rendu compte que l'eau mouillait déjà les pieds, le naufrage de la beauté se faisant encore très discret. Enfin, quand même, vous avez reconnu parmi les empreintes du monde une beauté, ce que vous êtes, vous, une donnée aléatoire, vivant ce qui se présente, chair qui, durant un bienheureux instant, rencontre un mouvement périssable, incontrôlable, qui la fait jouir et lui donne l'essence. C'est un branle très efficace contre les bras en principe de la beauté préfabriquée à des fins de pouvoir. Une des raisons pour lesquelles je m'efforce de me rendre disponible à tous les éclats que j'aurais eu la chance de repérer.
J'éprouve le mouvement. Ce sont des réalités incontestables, aussi réelles que la tension de mes artères, bien qu'elles s'apparentent au domaine d'une sorte de métaphysique libératrice, plastiquant les conventions pour renouveler la nature. Non, parce que sans effort, rien ne vient, sinon l'impérialisme obscène de valeur omniprésente imposant aux consommateurs de manger des yaourts en regardant bien le packaging d'une esthétique de pacotille. La laideur est un épuisement de la pensée, un temps mort. Le yaourt est brassé à la grecque, mais j'en ai rien à cirer. Bon alors, l'oursin est notre cousin. Il nous précède comme le rat. Lorsqu'il renonce aux algues pour le polystyrène, cet invertébré témoigne des risques que nous prenons à renoncer à la beauté. Une indigestion principalement. Il nous alerte sur les dangers d'un suicide programmé dû à une overdose de banalité. Quoi de plus banalement laid qu'un sac en plastique, aussitôt jeté à peine utilisé? Cependant, une question subsiste. Est-ce que c'est un suicide ou un assassinat? Ah, déguisé en suicide, est-il admissible que nous soyons innocents, les mains pleines, des bienheureux qui s'ignorent, pauvres en responsabilité? Nul n'a jamais été seul pour naître, dit Antonin Artaud. Nul non plus n'est seul pour mourir. Mais dans le cas du suicide, il faut une armée de mauvais êtres pour décider le corps au geste contre nature de se priver de sa propre vie. Ou alors, un morceau de sac en plastique, ou encore un programme immobilier raté. Prudence sur les routes à l'approche des intersections. Attention au rond-point, la laideur tue, je le crois fermement. Alors les artistes, le public vient visiter leurs œuvres, mode d'emploi à la main, à l'occasion d'une exposition, pour se distraire. Absolument ignorant de tout ce qui n'est pas expliqué sur la notice, la curiosité va pas plus loin que la satisfaction de se tenir un peu au courant. On ne sait jamais, des fois que les œuvres vues deviennent des chefs-d'œuvre pour l'histoire de l'art, ils pourront toujours dire qu'ils y étaient. Ce sont des souvenirs pour eux, les mêmes que la photo des chutes du Niagara. Voir et revoir les peintres romantiques, en voilà un beau projet critique inoffensif. Le beau contemporain doit rester une animation du dimanche. La vérité est que la culture marchandise est une parodie, séparée des choses de la vie. Son spectacle résonne dans le vide, communique sur sa propre inutilité. Son effet auprès du public ne dure que le temps de la visite et la foule de se presser, avide de consommer de la beauté divertissante. Une panacée de perlimbinbins affranchissant les sens, réveillant un peu les consciences. Les toilettes sont au fond du couloir, là-bas sur la droite. La cafétéria propose des cheesecakes maison d'un décor minimaliste absolument super extra. Le catalogue disponible à l'espace librairie. Allez circuler, messieurs, dames. D'autres amateurs attendent leur tour. Non, parce que c'est bien gentil de désirer voir de la beauté, vivre avec elle, mais libérer du temps d'un agenda ou un rendez-vous suffit pas. Il faut plus d'attention et d'efforts pour s'en approcher. La beauté se cultive ou n'existe pas. Oh, mais c'est pas qu'elle joue les mijaurées, la beauté. Pas du tout. Elle préfère de loin être sifflée à l'indifférence, parce qu'elle aime être aimée, elle aime être célébrée. C'est pas une solitaire. Elle est prête à coucher avec tout le monde s'il y a du répondant dans le regard de son partenaire et de la douceur, de la disponibilité d'esprit. Toutefois, elle se fait rare comme une ressource halieutique amenée à disparaître par manque de soins à cause de la pollution consumériste colonisant le cortex des citoyens. Parler de nos volontés en déroute qui font retraite vers l'abattoir, voir le salon du livre ou le salon de l'auto. Du pareil au même, l'uniformisation organise si bien le suicide de la civilisation. Nous restons accros à la laideur de notre environnement, hermétique à l'absence d'un monde réenchanté de territoires imaginaires. On a perdu l'appétit, un rien nous satisfait,
n'ayant goût à rien, devenu incapable de tenir une idée de désir ferme. Reste polystyrène et compagnie. Ou alors, le street art, les petits malins de la bombe avec leur décalcomanie d'une iconographie piochée dans le répertoire d'artistes outre-Atlantique en activité il y a plus de 50 ans. À l'époque, dans le contexte de la prolifération des grandes métropoles à la rigueur, shooté au stupéfiant, le marquage à chaud faisait un peu sens, y réveillait l'esthétique de la rue. Il était vaguement une critique artistique, Samo Takebaskia dans les rues de Manhattan, same old shit sous le nez des galeristes. D'accord pour une exposition, mais un demi-siècle plus tard, sur un autre territoire, les tristes copistes d'une urbanité en roue libre se retrouvent à appliquer les mêmes recettes, fatigués d'avoir traversé l'océan en retard. Elles ne font plus rêver de liberté, seulement exister quelques responsables culturels qui aimeraient bien résoudre une bonne fois pour toutes la question des incivilités en désamorçant les auteurs de nuisances. Le sport n'achète plus la paix sociale. Le street art, arrangé avec le rap et le slam, au rayon des accessoires importés, des gadgets culturels, fécondant plus grand chose en matière d'esthétique, sinon un rapport à la rébellion que seuls les plus doués pour la comédie réussissent à transformer en cash-machine. C'est une relation parasitaire, condamnée à répéter à l'infini la même liturgie devenue antique, une esthétique de la violence au romantisme à deux balles. Des efforts pour réarmer le vieux ressort d'une culpabilité célébrant la déprime d'un contexte sourdingue aux plaintes et aux malheurs. Et ça dure depuis très longtemps. Mais le siècle est passé et la donne a changé. Pas le son, pas les mots autistes qui s'acharnent à exhiber leur plaie. Un œil sur le compteur des ventes, un autre sur les amateurs de clash connectés sur la toile. Rap ou tube de l'été, le combat des airs de famille. Mais c'est comme le festival de Cannes, ce pinacle de l'impérialisme multimédia. Je lisais, voilà quelques mois, dans Le Figaro, une critique d'un cinéaste totalement inconnu qui tabassait sur Godard en le traitant littéralement d'escroc. Mais Godard, c'est intouchable, c'est Dieu Godard. Godard, c'est Godard. Et toi, critique de cinéma, ignoré, ignorant, tu l'assassines, mais ça va pas. Il y a aussi les conspirateurs impitoyables contre l'hyperviolence filmée par Lars von Trier. Les spectateurs vivent dans une réalité augmentée et finissent par confondre réelle fiction, c'est dire le champ de réduction cognitive. En conclusion, il faudrait interdire la croisette à Godard ou à Lars von Trier, provocateur né, essentiel, utile, irremplaçable. Ils font preuve d'indépendance et de liberté dans leur travail de cinéaste, rafraîchissent l'institution. Ben, c'est quand même bien le rôle du cinéma, de mettre la violence en exergue, non? Et de la traiter comme une matière sociale. C'est le public et les critiques qui sont hyper violents par leur connerie, par leur incapacité à avoir un regard sensible sur la matière cinématographique elle-même. La palme, le plus souvent, pour pas dire toujours, attribué à la niaiserie. Non, mais c'est marrant. Parce que dès l'instant où tu énonces, je dis pas dénonce, énonce les choses, tu passes pour un agité dans notre période de lissage visqueux suprême. La véritable violence, elle est lisse. La véritable vulgarité, l'ultime version de la pornographie, c'est le bien-pensance.